L'agence de secours et de recherche ainsi que d'autres équipes de recherche venues de Timica avaient retrouvé les 54 dépouilles. Les corps qui ont été placés dans des sacs mortuaires sont prêts à être évacués. L'équipe de recherche a également mis la main sur les boîtes noires de l'appareil. Les enregistreurs de vol ont été acheminés au Comité national de la sécurité des transports pour y être analysés. L'ATR-42-300 de la compagnie aérienne Trigana Air Service, qui avait décollé de Jayapura, se dirigeait vers la ville d'Oxibil, dans l'extrême sud indonésien. Il transportait 49 passagers et 5 membres d'équipage lorsqu'il s'est abîmé. Les autorités ont fait savoir que toutes les victimes sont des citoyens indonésiens.